Comment ça va? À Taïté, c'est chouette. J'étais pour la journée des orangs-outans, mais oui. On a été en même temps en allant déménager, enfin en allant visiter faire l'appartement de maman, en allant la voir, on a passé quelques jours là-bas. D'être si nombreux, il fait superbe. Mon nom est Newton Lorenz, je suis l'inventeur de cet instrument un peu spécial que j'ai appelé le mini-piano. En fait, avec ce mini-piano-là, je voyage, je vais un peu partout, je vais à la rencontre des gens, et alors souvent, je m'adapte aux goûts musicaux des personnes que je rencontre. Alors, ce que j'ai l'habitude de demander, c'est « Avez-vous des morceaux que vous aimez ?» J'ai une playlist assez longue, en fait, j'ai un disque dur externe caché dans mes cheveux. Alors, j'ai plein de chansons dedans. Il suffit de demander. Si vous avez les lacs du Connemara, première suggestion, je vais en prendre 2-3 et on va voir comment on les enchaîne. Massive Attack. Un Stromae. Libéré, délivré. Libéré, oui, ça on va le mettre plus tard. Moi je connais Berlin, un autre truc. Les Champs-Élysées. On va commencer par ça. Ça unit toutes les générations. C'était, ça venait de là en tout cas. C'était Madame en noir. Merci Madame. Autre chose? We are the world.
C'est la deuxième fois que j'entends, la troisième fois que j'entends les lacs. Je crois qu'on va pas y échapper. Vous avez besoin d'être rafraîchi. Tout le monde dans le lac, ça va? Pas bu à cette bière, je crois. C'est pas mal du tout. Autre chose? Je pense que le AC/DC est devenu un classique. Il y en a peut-être qui ne l'ont jamais entendu. Qui n'a jamais entendu AC/DC avec ce mini piano là? Il y en a quand même quelques-uns. Bon, écoutez, on va vous le faire pour vous montrer que c'est possible. Ça chauffe, le mini piano, ça chauffe.
Merci. Autre suggestion pour monter encore plus haut. On ne peut plus redescendre. Reine des Neiges, c'est terminé. Terminé, c'est derrière. On ne peut plus revenir. Allumez le feu. Lucie, Obispo. Un dépêche mode. Obispo. We are the champions. Si tout le monde chante We are the champions, c'est moyen que ça le fasse. Ça vous le dit? Oui. Ok. Tout le monde chante. En anglais, mais je ne sais pas parler anglais. C'est pas grave. Alors je vais mettre une machine avec des tickets et je pense que le 81. J'écoute. Imagine de John Lennon. On est en train de redescendre là. Non, je dis pas que c'est moins bien, mais je dis c'est un peu plus calme quoi. Bon, on peut. Imagine, ça vous dit? Oui! Ouais, bon, c'est vous qui décidez, hein. Sans quelle tonalité encore? C'est un mi bémol! En mi bémol! C'est en fa majeur! Parce que nous sommes toujours très serrés. Je crois qu'il nous reste peut-être 0 minute. Je suis en train de regarder. Attendez. Il y a quelqu'un qui a vu un scorpion. Attendez. 2 secondes. Je suis. Mais ça s'appelle une belle organisation. Ça, c'est les artistes, enfin. Hein. C'est toujours. Donc voilà. Nous avons encore 3 minutes. 3 minutes. Radioactive. Moi, j'ai un petit truc. Composition en boum. Est-ce que vous connaissez Narcotique? Personne qui connaît. Attention, je joue. Thank you.
prochaine séance, on va faire un blind test géant ensemble. Et vous avez vu, vous êtes nombreux. On va diviser ça en deux équipes. Et ce sera la revanche d'hier, parce que hier, c'était cette équipe-là qui avait gagné. Et celle-là qui avait perdu. Donc, votre nom, c'est les winners, et vous, c'est les losers. On reprendra à partir de là. Ça vous va? À tout à l'heure, à 30. Merci. Saviez-vous ce que c'était ceci? C'était le canon de Pachelbel. C'est un des morceaux les plus anciens que je connaisse, qui date peut-être de 1700, et qui est basé sur ce qu'on appelle une basse continue, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon nom est Newton Lorenz, créateur de ce petit instrument étrange que j'ai appelé le mini-piano, et avec lequel je me produis un peu partout. Donc je joue dans des endroits très très divers. Comme je disais hier, j'ai déjà joué pour un congrès de huissiers avec ça. Un peu bizarre. On s'attend pas à ce... tous les endroits où il m'amène. Je joue dans des hôpitaux, dans des prisons. J'espère ne pas vous rencontrer là-bas. Je vous avais promis un blind test géant. Alors le géant, on l'a déjà, puisque vous êtes très nombreux. On va diviser cette grande foule en deux parties. On va couper à peu près ici. Donc le garçon, là, va dans l'équipe de gauche. L'équipe de gauche, je suis désolé pour vous, s'appelle les winners, parce que à deux reprises, ils ont gagné. Et vous, vous êtes... Bah, les losers. Les losers. Mais je pense que vous allez vous reprendre. Ça va? J'ai besoin d'un arbitre, très très vite. En deux secondes, il me faut quelqu'un qui a envie de monter sur scène et qui n'a pas peur des gens. Une personne responsable. Un, deux, trois. Monsieur ici, vous voulez? Bon. L'escalier est là. C'est lui qui va être l'arbitre, ça va? Alors, on va démarrer tout de suite. Il me faut le titre du morceau, simplement le titre. Pas besoin de connaître l'artiste, c'est le titre qui doit sortir. Le plus vite possible, et c'est le premier qui a 5 points. Donc c'est lui qui doit regarder qui choisit le plus, qui trouve le plus vite. Au début, vous ne reconnaissez pas, ça fait exprès. Thank you.
le point, va pour. Pour les winners. Vous êtes des losers. C'est votre faute. Il faut crier plus fort. Attention, deuxième morceau. Alors j'ai besoin de l'arbitre un petit peu plus proche, c'est possible, en appui. Attention. Deuxième morceau. Votre famille, elle est de quel côté? Elle est chez les Bouzards. Alors, on peut dire qu'il est impartial. Là-bas. Non, elle est chez nous. Deux points, deux points. Deux points pour les winners. Vous êtes encore à la traîne, hein, les amis. Vous êtes mauvais. Mais si je connais tout. Comment on dit trois en néerlandais? Qui? Et comment on dit troisième? Derde Leech. Ça va? Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de néerlandais tout à coup. Troisième morceau, ça a du sens. Tu es qui? Il a fait pas pour être heureux. Il a fait pas pour être heureux. Le livre de la jungle, il a fait pas pour être heureux. Non.
point va au loser. Je ne sais pas si c'était vraiment juste, je n'en sais rien, je ne suis pas arbitre, moi je n'ai rien à voir. Nous avons notre arbitre ici qui a désigné les losers comme étant les winners pour ce coup-ci. 2-1, c'est ça? 2-1. Attention, comment on dit quatrième en néerlandais? Non, Dert, c'est troisième, non? Quatrième chanson. C'est comme ça. Un morceau de situation qui s'adapte vraiment à la période et au climat. Merde. Prendre le dessus. Je lui donne le pot de vin après. Rageux. Mauvais perdant. Attention, on est à combien ici? 3-2. On est à 3-2 ici et 3 de ce côté-là. Ouais. Attention, prochain morceau. La première fois que je le joue, je l'ai appris aujourd'hui. Oui.
va par là. Madame en rouge. C'est bien parce que chaque fois, on sait quelle est la personne qui a dit le morceau. On est à 3-3. Ah, c'est quand même tendu là. Combien de temps il nous reste? Parce que là, il nous reste exactement 4 minutes 59. Bien. Alors, eh bien. C'est un morceau de situation également. Je l'ai appris aujourd'hui. En plus, tout ce que je dis est vrai. Bravo, Yann ! Je pense que là, il y a des atouts. Merci. En fait, c'est une chanson que j'ai apprise pour les gens de Axe. Et ils sont tous à la fête, puisque la fête, c'est maintenant. Donc je l'ai appris pour rien, en gros. Puisque personne ne connaît. Si, ben, et pourquoi vous n'êtes pas à la fête? Vous avez choisi de venir ici. Waouh. Merci. Mais écoutez, on est à combien, là? Je suis désolé, les losers, mais là, il va falloir se réveiller. Jouer le doudou pour ça. Attention. Si cette équipe la trouve, c'est eux qui gagnent. Sinon vous sauvez. Il y a encore moyen que vous gagnez, mais c'est un peu juste. La voiture. Alors le point ultime... Égalité. Attention, on a la grosse responsabilité de choisir quel va être le dernier morceau. C'est un morceau calme pour essayer de calmer les tensions qui règnent entre les deux clans. C'est parti. Vous êtes quand même les losers aujourd'hui. Bravo à tous, merci. On se retrouve tout à l'heure à 20h30. Mon nom est Newton Lorenz, j'ai des cartes de visite, mais je n'en ai plus. Donc, il m'en reste une, prenez-la en photo, je la laisse là. Celui qui la prend me met dans un embarras terrible. Je vous remercie, Newton Lorenz, à tout à l'heure.